Bonjour, bonjour, docteur Claudio Saracino, des plans DCS, méthode DCS, les plans DCS, vrai professionnel par le vœu majuscule unique au monde. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais répondre à une personne du Texas aux États-Unis qui me pose cette question. Cher docteur, qu'est-ce qu'il y a à faire, la sorcellerie avec les plans? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Je réponds à ces messieurs, je réponds même à toi si ça t'intéresse que il y a beaucoup de temps, il y a longtemps, il y a des siècles où la sorcellerie c'était quelque chose qui n'était pas accepté par la science, par la médecine, parce que c'était du charlatanisme, c'était de la magie, c'était des choses que la science ne comprenait pas. Mais il y avait dans les campagnes des personnes, des femmes qui, les sorcières en fait, qui faisaient accoucher les femmes sans de la douleur, d'accord? Mais c'était impossible à l'époque concevoir quelqu'un qui accouche, qui fait naître un fils sans de la douleur, parce que l'église de l'époque disait et répétait qu'il fallait souffrir avant de donner à la lumière un enfant. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Que on faisait un gros feu et on allumait les sorcières, c'est-à-dire ces femmes qui aidaient dans les campagnes d'autres femmes pour ne pas souffrir. À la moitié du 1700, un médecin, Franz Anton Mesmer, de Vienne, en Autriche, démontrait que amenant la magie au fait à la science comme quelque chose qui pouvait être expliqué scientifiquement, et lui il l'appela magnétisme animal. Après il a eu le nom de mesmérisme. Après James Braid dans la deuxième moitié du 1800 l'appelait hypnose, blablabla. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui l'hypnose c'est pas de la sorcellerie, parce qu'elle a été reconnue par l'Association médicale mondiale comme médecine alternative en 1958, et la même église par le pape Pio IX en 1847 l'a reconnue comme médecine alternative. Et le même pape Jean-Paul II, pape Wojtyla, le pape polonais, lui il s'auto-hypnotisait pour apprendre les langues étrangères, et lui il en connaissait plus de 12, comme il a déclaré dans sa biographie, un livre si gros que je t'invite de acheter et de lire, d'accord? Et si tu as encore des doutes, parce que je t'en prie de ne pas croire à aucun de mes mots, s'il te plaît, visite des reviews scientifiques internationales de nom The Lancet et The Life, et tu vas t'apercevoir que combien de cas d'études dans tout le monde il y a entre l'hypnose et l'être humain. Des cas impossibles, des miracles de l'esprit, de ton subconscient. En traduisant tout ça, je vais te dire que c'est pas... c'est pas... de la sorcellerie, l'hypnose, c'est une science, c'est reconnu. Même si, il faut dire, même si dans tous les hôpitaux de tout le monde, on utilise l'hypnose vraie professionnelle pour éliminer, pour aider, pour anesthétiser, pour faire de l'anesthésie aux gens intolérants aux médicaments de l'anesthésie, sur 100 médecins, seulement un connaît vraiment ça. Pourquoi? Parce que dans l'université de tout le monde, ou presque, on étudie l'hypnose seulement entre des associations privées, d'accord? Et pas tout le monde fait ses cours. Donc, l'être humain a ses pouvoirs, le subconscient qui peut réaliser les miracles de son esprit. Et si tu veux essayer, tu peux même décharger un audio MP3 DCS qui fait pour toi, pour ton cher, que tu vas trouver sur le site de mon association hypnologue associée à laquelle je cède tous mes droits, et t'émerveiller du pouvoir de ton esprit. Il s'agit seulement des mots simples, naturels, transparents, compréhensibles, sans aucun effet secondaire, qui vont vraiment te faire émerveiller, à peu dire, unique au monde. Pose-moi toutes tes questions, je vais te répondre gratuitement, même la plus banale des questions,
Hein, c'est pas grave. Je vais te répondre. Et visite, s'il te plaît, mon site internet www.hypnologieassociative.com, ma fanpage sur Facebook, Hypnose Auto, Hypnose Docteur Claudio Saracino. Abonne-toi, s'il te plaît, sur cette chaîne YouTube, Hypnose DCS, Méthode DCS, Docteur Claudio Saracino, et partage mes contenus de valeur avec ta copine, ton copain, tes amis, ta famille, tes parents, parce que ça peut être la clé de leur changement. Et suis-moi aussi sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Hypnose DCS, Méthode DCS, Docteur Claudio Saracino. Je t'embrasse, mon ami, ma chérie, mon pote, et à la prochaine, Docteur Claudio Saracino. À la tienne, ciao.